Bienvenue, mesdames, messieurs. Crise politique au Bénin en pleine période électorale. Il aura sans conteste été l'acteur politique à avoir fait parler le plus de lui. L'ex-président Thomas Boniaï. Inutile de rappeler ses différentes descentes inopinées sur le terrain. La fameuse marche en plein cœur du marché d'Antokba, puis l'encerclement de son domicile. Loin des projecteurs depuis son absence du territoire national, son nom occupe à nouveau le devant de la scène depuis peu. Dialogue politique, le parti FCBE de Boniaï pour sauver la face. Loi d'amnistie pour les personnes arrêtées, celles poursuivies à l'instar de Boniaï dans le cadre des violences électorales. Coup de fil supposé de Patrice Talon à Boniaï, l'invitant à un retour au bercail. Des faits, mesdames, messieurs, qui, loin d'isoler l'homme, le repositionne, semble-t-il, au cœur des débats actuels ayant cours dans le pays. Série d'initiatives en vue de la décrispation politique au Bénin. Thomas Boniaï, la pièce maîtresse ou l'une des pièces de sortie de crise. Il s'agit là du thème en débat. Et sur ce plateau, déjà en notre compagnie, Gabin Goubi, journaliste et analyste politique. Gabin Goubi, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. En face de lui, comme par hasard, les deux, on a eu déjà les croisés sur un autre thème, je crois bien. Marcel Zoumenon, voilà, journaliste, analyste. Il est l'assistant directeur de publication de la Nouvelle Tribune, le quotidien qui n'est plus à présenter. Marcel Zoumenon, bonjour. Bonjour Joël. Et merci pour la disponibilité. Ah oui, que de fixation, mesdames, messieurs, depuis peu, autour de la personne de l'ex-président Thomas Boniaï, constamment sous les feux de la rampe en pleine période électorale, jusqu'à la crise post-électorale, puis silence total du fait de son absence sur le territoire national. Il signe peut-être malgré lui comme son comeback au travers du dialogue politique du Palais des Congrès. On se rappelle la participation ou non des FCBE et tout ce qui a suivi. Et puis, quelques jours après, les points saignants des recommandations qui vont avec. Au nombre des points saignants actuellement qui fait beaucoup réagir et parfois même diviser, Gabin Goubi, la loi d'amnistie. D'aucuns pensent qu'exprès, c'est une loi qui ferait encore la part belle à Thomas Boniaï. Le journaliste apprécie cela comment? Voilà, j'ai cru lire comme vous un quotidien titré, je crois, ça doit être dans la parution du mardi, quand le dialogue politique tourne autour de Boniaï. Alors vous avez bien lu, il s'agit de Matin Libre, si mes souvenirs sont exacts. Oui. Tout à fait. Exactement. Donc j'ai cru lire ce titre-là, dans un premier temps ça m'a fait sourire, mais quand vous lisez un peu l'analyse que le journaliste a faite là, ça ne manque pas de pertinence. Parce que vous voyez, de toutes ces personnes-là qui sont aujourd'hui poursuivies, qui sont dans le viseur de la justice, celles-là, par rapport aux échauffourées qui ont eu cours après les élections législatives, il y a la personne de Boniaï qui se démarque un peu du lot, c'est-à-dire fait partie du plus gros poisson, si je peux m'exprimer ainsi, dans ce panier-là. Et je trouve que, quelque part, c'est ceux qui tentent d'identifier, n'est-ce pas, la bienveillance ou bien les regards de clémence qui sont en train d'être jetés à l'endroit de ces personnes-là. Ceux qui sont en train de confiner ça, de réduire ça à la personne de Boniaï, n'ont pas totalement tort. Parce que vous voyez, c'est un peu au trou de lui que toutes ces échauffourées, toutes ces violences ont été perpétrées. Vous imaginez, il y a eu des cas à Kadiaoum, il y en a eu à Savé, ces régions qui sont d'abord réputées être des fiefs du parti FCBE, dont Boniaï justement est le leader. Et puis, les violences qui ont été perpétrées à Cotonou, les premiers deux mai derniers, vous savez, c'est non loin du domicile de Boniaï. Donc, quelque part, sa personne focalise un peu ces violences, ces échauffourées. Et c'est autour de cette personnalité-là. Parce que, justement, les rumeurs avaient couru dans le temps, comme quoi son domicile serait en train d'être encerclé, qu'il y aurait un plan d'arrestation de sa personne. Bon, RFI a un peu amplifié l'information, France 24 et autres là. Donc les populations se sont spontanément mobilisées
pour former en quelque sorte une sorte de protection autour de cette personne. Donc justement, il y avait eu l'armée a été déployée sur le terrain et ce qui ne devrait pas venir est venu malheureusement. Aujourd'hui, on est en train de colmater les brèches, on est en train de recoller les morceaux. Je trouve qu'il faut perpétuer, il faut persévérer dans cette lancée-là. Il ne faut pas décourager cette initiative. Mais je continue de dire, ceux qui ont pensé stigmatiser cette clémence, cet élan de clémence qui sera bientôt traduit dans la loi sur l'amnistie, justement, et ceux qui sont en train de penser que c'est Boni Yayi qui est au cœur de ça, je trouve que dans leur analyse, ils n'ont pas totalement tort. On va aller un peu plus en profondeur, mais Marcel Zoumenou, beaucoup s'interrogent à travers la loi d'amnistie. Quand on sait que c'est aussi le fruit des suggestions et recommandations formulées par les différents acteurs politiques qui étaient à la salle bleue, est-ce que ça fait pertinent vraiment d'y voir comme un appel de pied à Thomas Boni Yayi? Bon, un appel de pied, c'est vraiment pas, mais je voudrais d'abord dire que le référentiel auquel vous faites allusion est un référentiel faussé. C'est un faux référentiel et si nous devons faire nos analyses à partir de ce référentiel, nous allons nous tromper. Le référentiel dont je parle, c'est ces assises que vous parlez du dialogue national qui n'en ne sont pas un. Dialogue moi, si je devais le qualifier, je vais même dire que c'est une concertation entre le chef d'État et les partis qui lui font alliance. Et partout où je passe depuis quelques jours, je répète qu'il n'y avait pas d'opposants dans cette salle. Et ceux qui étaient au nom des FCBE sont allés à leur propre titre. Parce que quand vous êtes dans une organisation qui prend une décision de ne pas vous rendre, vous vous rendez à votre institut personnel. C'est aussi simple que ça. Dans une organisation, par exemple, si on vous, le rédacteur en chef ou le directeur d'application ne décide pas de vous envoyer à un reportage si vous y allez, je ne suis pas sûr que ça engage la rédaction. C'est des trucs basiques sur lesquels je voudrais qu'on s'entende. Pour dire que les concertations qui ont eu lieu n'ont rien d'inclusif. Et à partir de ce moment, il faut traiter les résolutions qui en sont issues comme telles. Ce sont des résolutions qui ont le même caractère que la structure qui leur a donné naissance, c'est des résolutions exclusives. Alors, revenant à l'amnistie, c'est vrai que ceux qui étaient pour se faire paraître comme des opposants ont demandé, je n'étais pas dans la salle, c'est ce qu'on nous a dit, qu'il fallait retirer les poursuites contre les personnes qui ont été arrêtées ou qui sont poursuivies dans le cadre des élections. Et vous voyez avec quelle malice les fameuses résolutions ou recommandations de ces assises ont fait une fluctuation sémantique. Au lieu de dire les personnes poursuivies dans le cadre de lésions, on a rapidement changé ça pour dire les personnes impliquées dans les actes d'agression ou bien de violence. Oui. Cela voudrait dire qu'on élargit le champ. Le champ est élargi, on ne voit plus les personnes qui sont poursuivies, mais on voit aussi d'autres personnes qu'on va peut-être ajouter et à la liste. Et c'est là l'inquiétude de quelques organisations de la société civile qui dit, mais les militaires qui ont tiré et ceux qui les ont donné les ordres de tirer, il ne faudrait pas que ceux-là soient concernés par les fameuses amnisties. Revenons à l'amnistie de Boni Yayi, oui, je l'ai appris. J'ai appris aussi qu'il a été. Il y a une enquête judiciaire, il y a une poursuite qui est lancée contre lui sous le prétexte qu'il serait commanditaire des événements qui ont eu lieu les 1er et 2 à Kadiaon. À ce niveau, moi, je pense la chose autrement. Moi, je crois même que si nous voulons faire de vrais débats et dire la vérité, on peut même accepter qu'on poursuive Boni Yayi. Ça dit quoi? Ça dit que si on a des éléments, si on n'utilise pas la justice, si la justice n'est pas instrumentalisée pour régler des comptes à un personnage qui dérange, on peut accepter le principe que la justice décide de poursuivre un chef d'État si tant est qu'on a des preuves, de vraies preuves, de preuves matérielles
qu'il est l'instigateur ou bien qu'il est commanditaire des soulèvements qui a lieu les choses. Mais qu'on ne se cache pas derrière cela pour dire bon, on veut amnistier Boni Yayi, qu'on ne fasse pas la fixation sur sa personne pour profiter, pour dédouaner ou bien pour absoudre des gens qui ont commis des fautes que j'appelle même des crimes contre l'humanité et qu'on le mette dans le lot pour dire on veut les dédouaner parce qu'on a dédouané Yayi. C'est ça que je refuse. Parce que quand vous regardez un peu la fixation sur Yayi Boni, vous vous rendez compte que ça fait partie de la stratégie de communication du gouvernement actuel. En fait, les crises que nous avons et les reproches que nous faisons aujourd'hui au gouvernement actuel ne sont pas uniquement venus des problèmes que le gouvernement ou le chef d'État actuel a avec le président Boni Yayi. Moi, je dis, depuis le 6 avril 2016, le chef d'État actuel a commencé à poser des pas qui ont aujourd'hui sont à la base de la crise politique que nous avons depuis le jour où il a pris le pouvoir. Et donc, moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est un problème entre lui et Boni Yayi. C'est vrai que les deux ont par ailleurs des problèmes personnels, mais on ne peut pas lier à cela. Parce qu'il y a des problèmes liés à Sébastien Adjamo. Ça a commencé, je me rappelle bien, c'est depuis le octobre 2016 qu'on a tenté, qu'on a arrêté Sébastien Adjamo, et après on a eu les choses là. Il y a des problèmes liés à Komi Kouchi. Il y a des problèmes liés à Lionel Zizou. Ça, c'est les problèmes avec des personnalités politiques. Maintenant, il y a ce que moi, je continue de défendre partout où je passerai. Toutes les tentatives attentatoires à l'état de droit et à la démocratie béninoise. C'est ça que moi, je défends partout. Alors, et je suis pris. Je l'ai défendu avant que le président Patrice Talon ne soit au pouvoir. Je l'ai défendu. Je suis pris quand certains me voient comme un porte-voix de l'opposition. Je suis pris parce que j'ai défendu les mêmes positions de 2012 à 2016. Quand Patrice Talon était en Asie, et ses positions ont contribué un peu à l'avènement de ce qu'on a eu en 2016. Vous voulez dire, c'est une petite parenthèse. Oui, c'est une petite parenthèse liée à ma personne. Oui, que les actions en termes de défense de la démocratie et de liberté, hier, alors que Patrice n'était pas au pouvoir, les mêmes problèmes se posent aujourd'hui. Oui, tout à fait, avec plus d'acuité. Et moi, sur ces positions-là et sur ces principes, je ne transigerai jamais, ma position restera. Vous m'invitez 100 fois ici, si ce n'est que la volonté actuelle du gouvernement de détruire la démocratie, de détruire l'état de droit et de détruire tout cet édifice que nous avons commencé à construire dans notre pays depuis 1990, vous m'inviterez 100 fois, que ce soit ici ou ailleurs, mes positions ne varieront jamais. Je le dis ici, et je sais que ceux qui, depuis un certain moment, me portent des critiques, écouteront une fois pour en être dissuadés. Je les invite à suivre mes trajectoires depuis quelques années. Ils verront une constance. Je n'ai jamais varié sur ces positions. Sur d'autres positions, par exemple, je peux avoir soutenu le gouvernement actuel, sur les choses-là. Mais sur ça, les questions des droits humains, de la démocratie qu'on est en train de liquider tranquillement, mes positions ne varient pas. Kabir Goubili, oui, ce pont que Marcel Zmenou a présenté tout à l'heure, est-ce que Boni Yayi pourrait être juste un prétexte pour un autre objectif, comme a semblé le montrer tout à l'heure Marcel Zmenou? Un prétexte, je ne crois pas. Moi, contrairement aux co-débatteurs, moi, je trouve qu'il faut saluer cet élan quand même qui est en train d'être affiché. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas isoler ce qui est en train d'être fait là de la personnalité de Boni Yayi. Parce que justement, je ne sais pas, hein, mais quelque part, ils doivent se dire, mais c'est à cause de moi que tout cela s'est passé. Des gens ont pris ma défense et puis, peut-être innocemment, ils ont été exécutés, des trucs comme ça. Dans tous les cas, je ne serai pas aussi péremptoire pour dire qu'on est en train de liquider la démocratie, qu'on est en train d'attenter aux droits de l'homme. C'est vrai que le gouvernement a fait l'option d'être quand même rigoureux, formel sur un certain nombre de principes par rapport aux lois et autres là. Même si, par endroit, il faut le reconnaître, il y a un semblant de politique de deux poids, deux mesures. Mais par rapport
au respect des tests, à un certain nombre de principes, je trouve que ce qui est en train d'être fait est à saluer. Maintenant, si aujourd'hui on remarque que le peuple est divisé, il y a comme une certaine scission entre les populations et que le président a pris conscience de cela, autant de faire des appels de pied à l'endroit de Boni Yayi, on ne peut que saluer la chose. Et je crois que ça fait partie des doléances, des vœux d'une frange importante de la population, parce que ne l'oubliez pas, Boni Yayi est quelqu'un qui a quand même passé 10 ans à la tête du Bénin. Et il a dirigé le pays pratiquement au pas de charge. Quelqu'un qui a parcouru presque tous les hameaux, il était pratiquement sur tous les fronts. Donc il est l'un des chefs d'État, sinon le plus... celui qui s'est forgé quand même la réputation d'être le chef d'État qui a été le plus proche de la population. Et puis, c'est quelqu'un quand même qu'on a vu sur tous les fronts. Donc, quelque part, il jouit encore de cette notoriété-là, de cette image qu'il a laissée au cœur dans la scène des Béninois. Et quelque part, quand on dise sa personnalité va souvent influencer un certain nombre de choses. Et je suis même tenté de donner raison à ceux qui estiment qu'aujourd'hui, le chef de l'État, Patrice Talon, est rentré en lui-même et il a pu comprendre que la clé du dénouement de la crise sociopolitique qui secoue le pays depuis quelque temps, c'est encore Boni Yayi. Et qu'est-ce qui ne vous dit pas que ce qui est en train d'être fait, et les appels téléphoniques qui ont été faits, l'appel téléphonique qui a été fait à l'endroit de Boni Yayi, et quoique c'est démenti par certains de ces turiférés, de ces affidés, tout ça là, je trouve quand même que c'est des signes quand même qui montrent qu'il y a un élan de clémence. Alors, et moi, je ne voudrais pas... Vous pensez qu'il ne faut pas banaliser cet appel-là, qu'il pourrait y avoir du vrai là-dedans? Ah ben, c'est un ministre de la République qui l'a dit. Et tant que moi, je n'ai pas les preuves contraires, je me fie à ce qu'il a dit. Donc, il a dit certainement qu'il en a discuté avec le chef de l'État. Peut-être qu'il était là quand le chef de l'État... Il porte la voix du gouvernement. Et moi, je ne peux pas, sans avoir de preuves formelles contraires, me mettre en doute la parole de quelqu'un comme ça. Encore que cela a été dit sur la place publique. Boni Yayi est là pour dire que non, je n'ai jamais reçu un appel du genre. Moi je trouve que quand même ce n'est pas quelque chose qui est dit dans un élan, dans une velléité peut-être de faire de la communication tout et tout. Encore qu'on a déjà annoncé que Boni Yayi est à côté, il lui est loisible de monter au créneau, de dire « Moi, je n'ai pas reçu un tel signe », ce qui, dans l'ordre des choses, nous susciterait des analyses que chacun en tirera en son temps. Mais je trouve que, contrairement à ce que mon cher confrère Zoumenou a dit tout à l'heure, même si on arriverait à relever des infractions ou bien des charges contre le chef de l'État, dans la logique de décrisper la tension, de ramener la paix à la terre, de réconcilier aujourd'hui un peuple qui est en proie à une scission, à une division, c'est-à-dire qui constitue une seule situation qui constitue une véritable bombe à retardement, où les députés sont chassés de leur propre région, parce que des gens vivent encore sous la rancœur de ce qui s'est passé lors des dernières législatives. S'il faudrait forcément ramener la balle à terre, faire fi même de certaines considérations juridiques pour pouvoir véritablement décrisper les choses et aller dans ce sens-là. Moi, je trouve que c'est toujours nécessaire. Et je ne trouve pas que c'est une démarche inutile. Ça portera son fruit. Si c'est le prix à payer pour que le peuple se réconcilie avec lui-même, pourquoi pas ne pas le faire? Oui, Marcel Zoumenou. Alors, Boni Yayi, Patrice Talon, pendant presque à la fin du second quinquennat de Thomas Boni Yayi, c'est ce qui aura focalisé l'attention. Mais juste à la prise des rênes du pays, on se rappelle cette tentative de réconciliation d'avril 2016. Abidjan, ça n'aura pas prospéré. Un coup de fil, votre vis-à-vis a dit tout à l'heure, il s'agit de la parole du ministre. Un ministre qui porte la parole, qui plus est, du gouvernement. Alors, un rapprochement entre les deux hommes pour vraiment décrisper la tension actuelle, envisageable, d'après vous? Alors, je voudrais... C'est une clarification avant de répondre à votre question. La première clarification, c'est sur l'appel. Je voudrais vous dire ici sincèrement que c'est faux. Je n'ai pas l'habitude de venir sur les plateaux et de dire des choses. J'ai passé plus de 40 minutes à vérifier avant de venir sur ce plateau. Je voudrais sincèrement
vous dit que c'est faux. Il n'y a jamais eu cet appel. Il n'y a jamais eu d'appel de qui que ce soit à l'endroit du Yaï. Il y a eu un appel d'un président de la sous-région pour faire chose là, et je crois que ça se situe dans cette là. Et la position de l'ancien chef d'État a été de dire oui, je suis ouvert à une telle rencontre, mais il a posé des conditions. L'appel dont le ministre a parlé n'a jamais existé. Jamais. Je suis prêt à faire ce débat avec le ministre, mais je suis qu'un citoyen benoît. Un ministre ne ferait pas un débat avec moi. Mais ce qu'il dit, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. C'est l'effort que ceux qui aspirent. Vous êtes en train de dire que l'appel n'a même pas été fait. Il n'y a pas eu d'appel, c'est faux. C'est-à-dire, je ne veux pas utiliser un mot trivial pour dire que le ministre a menti. C'est faux, il n'y a pas eu d'appel. Je n'ai pas de preuves matérielles, mais je sais que c'est faux. Okay, J'insiste pour dire que c'est faux. Possible. Alors, sur les lois, puisque mon ami est revenu sur ça, il va revenir sur ça rapidement avant que je... Moi, j'ai été surpris de voir que juste après le dialogue, les discours ont brutalement changé. C'est-à-dire... Les mêmes personnes qui nous disaient que non, on a voté des lois, il faut les appliquer. Puisque dans le temps, on écartait des partis de l'opposition et les gens disaient qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas pu se faire conformer. Et puis brutalement, les mêmes personnes, juste après le dialogue, commencent par dire qu'il faut corriger les mêmes lois. Moi, je voudrais que les cadres politiques, le personnel politique qui nous dirige aujourd'hui ait parfois le courage de dire... qu'ils ne servent pas réellement les causes du pays. Et brutalement, le discours change. Le discours change, on commence par dire aujourd'hui, il faut qu'il y ait, même le président de l'Assemblée, dans un discours qu'il a fait tout à l'heure, annoncer déjà des corrections. Ça, c'est déjà une évolution par rapport à nous autres qui disons que ces tests de loi comportent des dispositions chrysogènes. Ça, moi, je suis surpris que mon ami n'ait pas resté collé au discours des hommes politiques qui même ont commencé par dire qu'il faut corriger. En disant que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fermé les yeux pour organiser des élections exclusives, écarter toute l'opposition. Et c'est quand on a fini de faire ça qu'on se rend compte qu'il faut corriger. C'est la malice qu'il y a et que je voudrais relever à ce niveau. Et puis... deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, que mon ami et confrère a relevé, et quand j'ai été très péremptoire en disant que c'est des actes attentatoires à la démocratie, à l'état de droit, je voudrais donner deux ou trois exemples. Allez-y. Si on me donne l'exemple d'un seul pays qui est démocratique, où on fait des élections avec deux partis créés par le chef de l'État, où il n'y a aucun parti de l'opposition, si on me donne l'exemple d'un seul pays démocratique où les choses sont passées ainsi, je vais dire le Bénin est un pays démocratique. Si on me donne l'exemple d'un pays où un ancien président, sans avoir été jugé par une juridiction, sa maison soit encerclée pendant 2 mois, qu'on l'empêche de sortir. Si on me donne l'exemple d'un pays démocratique où cela s'est passé, je rappelle au passage qu'un ministre d'un pays voisin s'est moqué de nous par rapport à ça. Si on me donne l'exemple d'un pays démocratique où ces deux choses se sont passées, je finirai par croire que nous sommes en démocratie. C'est vrai que je ne peux pas dire que nous sommes en dictature, mais je dis que tout ce qui a été fait ces derniers temps-ci sont des dates attentatoires à la démocratie et à l'état de droit. Et je le dirai partout. Ça peut m'écouter ce que j'ai. Je le dirai partout. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque à notre pays, c'est des hommes qui ont des convictions. C'est ça. Je l'ai toujours dit. Des hommes qui ont des convictions, qui pensent des choses d'eux-mêmes et qui peuvent les dire de façon courageuse. Vous avez l'impression que les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas, en qui ils ne croient pas? Non, pas du tout. Vous voyez, regardez autour, je disais, je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, où je disais que quand vous regardez le personnel politique autour du président Boni Yaï et du président Paty Sall, je n'ai pas des statistiques, mais la majorité, c'est des gens qu'on a déjà vus sous Yaï. Et c'est des gens qui avaient dit des choses et qui disent le contraire aujourd'hui. Regardez très bien, je n'ai pas d'exemple à donner, de nom à donner. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exemple qu'ils nous montrent, ce n'est pas un exemple, ce n'est pas des exemples de conviction politique, ce n'est pas des exemples de gens qui ont un idéal politique. C'est des exemples de gens qui montrent de l'opportunisme, qui s'accrochent à n'importe quel président quand il est là,
et qui disent les bonnes phrases pour avoir des avantages du pouvoir à un moment T. Et après, quand celui-là quitte là, ils sont encore les premiers à le vilipender. Vous n'êtes pas surpris de voir des gens qui ont été anciens ministres du président Boni Yayi, qui sont aujourd'hui ses ennemis jurés, qui disent des choses inadmissibles contre lui. Et c'est ça, c'est cette chose que nous devons combattre. Si nous voulons que la qualité du débat politique, si nous voulons que notre pays avance, il faut qu'on insiste sur ces choses. Les réformes qui ont été faites, j'ai toujours donné ma position sur ça ici. Ça n'apporte pas des solutions réelles aux problèmes que nous avons. On a dit, l'objectif c'est de réduire le nombre de partis politiques. Qui ont été engagés, et pas des réformes du sixième partisan, des deux lois qui ont été la charte et le code électoral. J'ai toujours donné ma position. L'objectif, on a dit, il y a trop de partis. Et donc, il faut réduire le nombre de partis. Et on a fait des lois, et on a eu ce qu'on a eu. Mais on n'a pas, il n'y a pas eu de réformes en profondeur qui ont porté sur la qualité des hommes qui sont là. Au point où, je ne sais pas si mon ami Gabin est fier de ce que nous avons comme assemblée et des gens qui y sont là-bas. Et ça, c'est un autre débat. Oui, on y revient. Mais on reste dans le cadre. Je vous ai posé une question, vous avez promis revenir là-dessus. Mais à travers votre réponse, je vous la pose, mais autrement. Alors, vous dites de façon péremptoire que ce coup de fil n'a jamais existé. Mais, par contre, il y a eu un coup de fil d'un ancien chef d'État à l'ancien chef d'État, pour vous reprendre autrement. Oui. Et donc, la finalité, c'est justement voir comment aller au dégel de la crise, avec l'onction de l'ancien chef d'État, Thomas Boni Yayi, aujourd'hui hors du territoire. Cette démarche, elle pourrait bien prospérer, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va là, quand on prend rien que ce fil-là, on va vers une autre tentative d'une réconciliation entre les deux hommes? Oui, c'est une tentative de réconciliation, même s'il y a trop de saupoudrage et de vernissage, il faut saluer cet effort qui est fait. Et parce que, en réalité, effectivement, c'est peut-être là que je serais un peu d'accord avec mon ami, c'est que dans la crise politique que nous avons, il y a une crise dans une crise. Il y a une crise dans une crise. Et que si cette crise qui est dans une crise n'est pas réglée, la crise générale que nous avons ne pourrait pas être résolue de façon... Expliquez-vous, cette crise qui est dans la... Cette crise, c'est la crise Talon Yayi, qui a commencé depuis peut-être 2011-2012, et qui continue jusqu'à ce jour. Et j'avais dans un papier, au moment où on n'était pas empêché de sortir, j'avais dans un petit papier que le retour du parti Talon au pouvoir, c'est comme le deuxième épisode de cette crise. Et ça n'a pas raté. Vous voyez tous les actes qui ont été posés contre Boni Yayi aujourd'hui. Je rappelle ici qu'aucun des enfants de Boni Yayi n'est sur le territoire. Aucun ? Aucun des enfants de Boni Yayi n'est sur le territoire. Et je voudrais rappeler que parmi ceux qui ont été arrêtés... Vous êtes sérieux ? Ça, oui, je parle de choses que... Okay. Parmi ceux qui ont été arrêtés, il y a des cousins directs de l'ancien chef d'État. Et il paraîtrait, ça, je le dis avec pincette, que parmi ceux qui ont été abattus, qu'il y a aussi des parents du président Boni Yayi. Ça veut dire qu'il a payé un prix fort. Et sans oublier le fait qu'il a été encerclé pendant 2 mois, il a payé un prix fort dans la crise. Et s'il a payé un prix fort, il faut vous rappeler que c'est lui qui a pris le devant de la scène. On l'a vu, vous l'avez dit, au marché d'Andopa, qui a dit des choses, qui a voulu contester, qui a dit ça ne va jamais se passer dans mon pays. Et tout ça, c'est apprendre à deux niveaux. Au niveau de ce conflit entre les deux personnes, mais au niveau du conflit politique que nous avons, et qui va au-delà des deux personnes. Et c'est pourquoi je dis aujourd'hui que ceux qui pensent et disent que le règlement du conflit entre le président Patrice Talon et Boni Yayi suffit pour régler la crise, c'est une forme de communication dévoyée au pouvoir, parce que au-delà des problèmes de Boni Yayi et de Patrice Talon, il y a les autres problèmes qui viennent du citer, avec 12 personnalités problèmes. Mais les problèmes qui concernent la destruction de l'édifice démocratique, qui sont aussi des problèmes à mettre dans la balance. Le président Kandi Dazanayi a fait un lumineux test que j'ai lu hier ou aujourd'hui sur sa page Facebook. Il a parlé de cela. Et il a retracé les raisons, les vraies raisons de ce qu'on appelle aujourd'hui la résistance. Je trouve que c'est salutaire. Mais je continue de dire que il faut saluer tous les efforts qui sont faits pour la réconciliation des deux hommes. Et c'est dans ce cadre que je salue toutes les initiatives qui peuvent être prises
pour faire ça. Mais je continue de dire qu'il faut qu'on soit sincère dans ces initiatives, qu'il faut qu'on soit sincère dans ces actes. C'est tout ce que moi je veux dire. Vous dites, quand je suis Marcel Zoumenou, oui, ça pourrait beaucoup impacter dans la marche pour la décryptation politique. Mais votre vis-à-vis perçoit ça comme un pas avant, un pas plus important à poser. Oui, un pas avant, un pas plus important à poser. Je trouve que le pas décisif est le premier qu'il a décrit. Okay. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir seulement les intérêts. C'est-à-dire le conflit qui a eu lieu depuis 2011-2012, où il a rappelé entre Patrice Talon et Boni Yayi. Aujourd'hui, au-delà de ces deux hommes-là, il faut penser au peuple, population. Parce que c'est cette crise, cette guéguerre, ce bras de fer, n'est-ce pas, qui a coûté cher à notre pays, a eu des effets collatéraux, des conséquences que vous n'ignorez pas. Et c'est dans cette veine-là qu'on a vu des gens couler leur sang pour ce pays. Donc je trouve que aujourd'hui, il faudrait que l'on parvienne déjà à désamorcer cette bombe-là. C'est vrai qu'entre les deux, véritablement, parfois, on se perd dans ce qui les divise à ce point, ce qui les a divisés à ce point. On nous a parlé de la remise en cause d'un contrat PVI, donc on a dit que l'un voulait réviser la Constitution, il s'est opposé. Mais au-delà de ça, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de plus profond qu'on nous cache jusque-là. Tout à fait. Franchement, on veut comprendre. Mais je pense qu'il faut transcender tout ça. Moi, je l'ai dit, parce que je suis quand même un peu spirituel. Moi, je me dis, Patrice Talon, aujourd'hui, Dieu lui a permis d'avoir la plus belle des revanches sur Boni Yayi. Parce que justement, son pire ennemi, c'est lui qui est venu lui prendre le pouvoir. Moi, je crois que ça doit même faire l'objet d'un livre, d'une encyclopédie, d'une épopée, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est la plus grande revanche que Dieu puisse lui donner. Vous voulez donc, dire si on est dans ce sillage-là, oui. Moi, je trouve qu'il faut faire fi de tout ce qui peut suivre vous après. Vous pensez qu'après ce que vous appelez plus prestigieux, je reprends autrement l'expression, présent que Dieu a offert à Patrice Talon, lui, maintenant, doit faire comme acte d'action de grâce envers Dieu, et donc oublier tout ce que Boni Yayi aurait pu lui faire. Oui, et se donner la main, c'est ça? Oui, et je trouve que quelque part, il était dans cette poursuite-là, il était dans cet élan. L'une était le fait que Boni Yayi, contrairement à sa promesse de ne plus se tromper dans les affaires politiques et de consacrer sa vie à autre chose, est revenu quand même au devant de la scène, a commencé à sillonner une partie du pays, a commencé à sillonner les hameaux, tout ça. Donc ce qui, d'une certaine manière, déconcentrait un peu l'autre, parce que quand vous êtes aux affaires, vous avez certainement, vous n'êtes pas, ce n'est pas d'un bon oeil, vous voyez des potentiels adversaires animer le terrain politique, le champ politique. Bref, moi je trouve que cela a un temps soit un peu été la principale pomme de discorde qui est venue envenimer un peu la situation. Parce que bien avant ça, les deux, ils s'étaient rendus de l'autre côté d'Abidjan. On a vu ça quand même sur les plateaux, et en compagnie du président Fort et Adema, ils sont allés, on nous a dit que c'est pour sceller la réconciliation. Donc pour nous, c'était fini, et puis bon, il n'y aurait plus rien. Boni Yayi aurait dit, selon ce qu'on nous a rapporté, qu'il n'allait plus embêter son ami, qu'il le laisserait diriger, enfin finir son mandat en beauté, il était même prêt, il serait même prêt à l'accompagner. Mais paf, on ne sait pas ce qui est advenu. Bon, on le voit aussi aux côtés des opposants du régime. C'est lui qui prend le devant des choses, tout ça. C'est comme si les anciennes guéguerres, l'ancien conflit qui a lieu entre les deux est venu. Et c'est là que je trouve raison, justement, à l'analyse qu'a faite mon confrère. Je crois avoir lu, effectivement, un article comme ça où on parlait d'une étape, enfin, d'une autre. Ça ferait partie des dédales de ce conflit-là. L'avènement de Patrice Talon va décliner un peu les autres épisodes de ce conflit qui, justement, a fait truc là. Mais contrairement, pour finir, je voudrais dire ici, et il faudrait que ce soit compris de la sorte, quand le président Patrice Talon avait initié, et en plein processus électoral, des échanges
au sein de la classe politique pour leur demander de voir un peu au niveau des tests ce qui constituait des obstacles pour un certain nombre de partis politiques qui visiblement avaient des difficultés à se conformer aux exigences de la nouvelle charte électorale et avaient mandaté l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mbeki, qui a sillonné certaines personnalités, s'est porté aux côtés de Boni Yayi. Parmi les revendications, c'est-à-dire les doléances formulées par Boni Yayi, justement, ils figuraient le toilettage de cet test-là, c'est-à-dire, au pire des cas, on ne pouvait pas le faire, le retour aux anciens, à l'ancien code électoral. Il avait parlé du retour de la libération des prisonniers politiques, du retour des exilés politiques, bref, des sujets qui revenaient à chaque débat comme un poisson de mer, des trucs comme ça. Donc aujourd'hui, je trouve que même si déjà on parvient à franchir et à sceller la réconciliation avec Boni Yayi, ça permettra de régler un certain nombre de choses. Parce que justement, lui, il aura le privilège désormais de mettre sur le tapis ces recommandations-là, ces doléances qui ne sont pas forcément propres à lui, mais qui engagent tout l'avenir de la nation. Donc je trouve que le pas le plus important, même si, comme il a dit, on nous a menti en disant qu'on a émis un appel, tout ça, moi je trouve que c'est des actes à saluer. C'est des actes à saluer et le gouvernement devrait continuer dans ce sens, si tant est qu'il est conscient de la déconfiture qu'aura créée cette situation-là et de la scission qui est en cours au sein des populations. Alors, Marcel Zoumenou, Patrice Talon, Thomas Boni Yayi, les deux hommes, comme s'ils devraient faire de part et d'autre le mea culpa, battre le coup plafond, de poser le pas qui aide le Bénin à mieux se repositionner. Mais vous disiez tout à l'heure qu'il faudra, dans cette alchimie, chercher à faire en sorte que les autres fils du pays puissent se sentir concernés. Quand on prend le contexte actuel, est-ce que ce ne serait pas fait trop de mélange de gens tout de suite et maintenant? Non, ce n'est pas mélange de gens, puisque tout ça a contribué à la crise que nous avons aujourd'hui, la crise politique que nous gérons aujourd'hui. Et régler, par exemple, les problèmes de Adjavon, par exemple, si c'est de lui, de Komi, de Lionel, et régler en même temps les problèmes de Yayi, retirer les plaintes qu'on a contre toutes ces personnalités, puisque ces quatre personnalités ont des dossiers à la justice. Si on règle le problème du président, de l'ancien président Boni Yayi seul, et on laisse les trois, il y aura toujours des problèmes qui vont rester. Toujours. Oui. Puisque chacune de ces personnalités qui vient ont quand même des gens ici. Puisqu'ils sont à la fois ils sont des personnalités politiques et ont forcément des gens qui sont avec eux ou bien qui les prennent pour des leaders. Et donc, je crois que il faut régler le problème dans sa globalité. Ça, c'est moi, si on veut réellement régler, c'est les propositions que moi j'ai faites. Il faut régler le problème de façon sincère. Si je parle, je mets l'accent sur le mot sincérité, c'est parce que je vois que même dans les solutions, et mon ami et confrère en a parlé, il manque par exemple de sincérité. Vous dites que vous voulez faire la paix avec Boni Yayi. Mais dans le même temps, vous donnez récépissé au nom de son parti à des gens qui montrent déjà qu'ils ne sont plus trop avec lui, qui à travers leurs actes montrent qu'ils sont en train de faire le jeu du pouvoir. Est-ce que vous le rassurez en faisant ça? C'est ce que je dis en parlant de sincérité dans les décisions de pacification ou de rapprochement qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et enfin je dis, il faudrait pas qu'on fasse la fixation sur le problème de Yayi et nous faire oublier les vrais problèmes. Je voudrais rappeler que nous sommes actuellement à 14 mois de l'élection présidentielle. Quand je prends et quand je parle de 14 mois, je pourrais dire 15 mois, mais je dis 14 mois parce que je me suis dit, dans 14 mois, nous serons dans la fièvre des campagnes pour une autre élection présidentielle. Mais aujourd'hui, tel que ça fonctionne, avec le calendrier imposé par le gouvernement, fait oublier à beaucoup de Béninois
cela. Ça fait oublier aussi à beaucoup de Béninois que dans quelques mois, nous aurons des élections communales. Parce qu'aujourd'hui, ce sur quoi on concentre l'attention, c'est la correction des tests pour acheter l'aile FCBE l'aile FCBE qui est aujourd'hui proche du pouvoir pour participer aux élections. Est-ce qu'on règle un problème? On aura réglé un problème de cette manière. En permettant simplement, si on s'en tient à l'état actuel des choses, c'est seulement cette LFCB qui peut aller aux élections communales. Alors qu'il y a Restaurer l'espoir, il y a USL, il y a le Parti communiste dont on en parle beaucoup, qui a aussi déposé ce dossier et qui attend son récépissé. Tous ces partis attendent leur récépissé pour aller compétir pour les élections communales et qu'on leur permette aussi d'avoir des candidats pour la présidentielle. Tant qu'on n'aura pas à régler ce problème-là dans les entièretés et de cette manière, et qu'on fasse la fixation sur Boni Yayi, parce qu'on sait qu'en réalité, Boni Yayi, c'est vrai qu'il dispose d'une carte de visite assez prestigieuse dans la sous-région, il peut contribuer à encercler le chef de l'État, mais il ne peut plus être candidat à une élection présidentielle. Mais par contre, Komi et Sébastien Adjavon et Lionel peuvent être encore des candidats pour une élection présidentielle. Et on fait semblant d'oublier, eux, leurs problèmes. Moi, je crois qu'il y a une... C'est pourquoi il dit que dans cette volonté affichée de dire on veut la paix, il y a une malice politique, il y a une sorte de stratégie là qui est en cours et qui veut nous cramponner sur des problèmes que je ne trouve pas très pertinents. Gabine, est-ce qu'il faudra que le gouvernement aille au-delà des signaux qui sont en train d'être avancés pour vous rassurer que ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas que dans une direction donnée, mais que c'est plutôt des démarches holistiques où tout le monde va pouvoir se retrouver, les fils ensemble pour regarder dans la même direction? Je crois que c'est progressivement, il faudra y aller. Il faut d'abord commencer quelque part. Et déjà, ce qui est en train d'être fait, moi, je salue cela. Parce que c'était pas évident. Beaucoup avaient dit que le dialogue ne serait jamais tenu, que c'est encore une promesse politique. C'est la politique de la ruse et de la rage. Et autres là, que c'est déjà heureux que le chef de l'État ait entrepris de l'organiser, de réunir autour de lui des personnalités. Et puis, entre son discours du 20 mai et ce qui s'est passé le 10, 11 et 12 octobre dernier, je trouve qu'il y a quand même une avancée. Le nombre de partis qui ont obtenu leur récépissé est passé de 5, je ne sais pas, à 8 ou à 9 désormais. Ça, et c'est déjà au code de l'opposition. Pardon? Sans qu'il y ait aucun de l'opposition. C'est vous qui voyez la chose ainsi, parce que jusqu'à preuve du contraire, ceux que vous tassez d'acquaintance avec le pouvoir ou bien de connivence avec le régime de la rupture ne sont jamais montés au créneau. Sont les actes qui les trahissent. Non, ne sont jamais montés au créneau. Un journaliste, tu sais que certains parmi eux s'en sont pris vêtements à celui qu'ils appellent leur leader, Boni Yayi. Quand vous posez ces actes, vous voulez que moi je dise quoi? Bon, ils s'en sont pris vêtements à Boni Yayi dans des audios qui circulent sur les réseaux sociaux. Eh bien, ce ne sont pas moins des personnes dont on connaît la proximité avec Boni Yayi. Oui. Moi, je me demande même avant. Si... Non, mais c'est vous qui parlez. Ça dépend des informations que vous avez. Avant. Mais moi, je continue de dire, quand je vois par exemple des personnalités comme Soumanou Diemba, autour de Yayi, les Gaba Yaya, des personnalités comme ça, dont on connaît quand même la solidarité, c'est-à-dire la proximité avec l'ancien chef de l'État, on ne peut pas mettre en doute. Alors qu'il revient à Yayi même, il revient à Yayi de monter au créneau. En tout cas, chers confrères, rassurez-vous, on reviendra sur le sujet, parce que oui, c'est aussi de notre devoir d'aider le peuple à voir au-delà de ce que tout le monde voit. Et cette émission, mesdames et messieurs, aura été juste une contribution, croyez-le, et demain, c'est un autre jour pour vous revoir, pour continuer dans cette contribution, pour bâtir un Bénin plus prospère. Gabine, ça va être votre conclusion, et ensuite on se reverra plus tard. Oui, si vous devez conclure l'émission du jour, le thème est complètement parti. Conclure, c'est déjà saluer les efforts qui sont en train d'être faits pour ramener la balle à terre, décrisper la tension sociopolitique, encourager le gouvernement à aller dans ce sens, établir une feuille de route pour que progressivement, en dehors après la loi sur l'amnistie, le problème des exilés politiques... avec, en l'occurrence, le cas de Sébastien Adjavon. Parce que je reviens spécifiquement sur ce cas-là. C'est le seul cas, au nom de ces exilés-là, dont la justice a connu le jugement, qui a été jugé, condamné de façon formelle. Mais quand même, c'est un opérateur économique du Bénin. Et puis, on continue, la population continue de souffrir, n'est-ce pas, des effets
de cette sanction-là. Et puis, pour rester en harmonie quand même avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, que le Bénin, dont le Bénin a ratifié et la charte, l'accord et autres, là, qu'on soit quand même, qu'on essaye de trouver quand même les moyens. Merci à vous, Rabin. C'était l'instant conclusion, oui, Bassel Zoumanou. Moi, je voudrais rappeler que nous sommes tous préoccupés par la paix dans notre pays. Parce que pour les rares exemples de conflits que nous avons vus dans les pays qui nous entourent, nous avons une idée de ce que ça peut être. Mais je dis qu'il ne peut pas avoir de paix durable sans solution durable. Et les solutions durables, pour moi, c'est que les décisions, les mesures de pacification ou de réconciliation soient ouvertes à toutes. Qu'on ne se merci, Marcel Zoumen. On ne va plus continuer. On vous a compris. Merci pour toutes ces contributions. Merci aussi à vous, Gabine, chers téléspectateurs. Oui, vous en voulez encore plus. On va devoir s'arrêter. Quitte à se revoir plus tard. 100% Bénin, je vais conclure sur cette citation très rapidement de l'écrivain américain et l'un des pères fondateurs des États-Unis, Benjamin Franklin. La vie n'est qu'un point dans l'espace-temps à gérer du mieux qu'on peut avec l'oubli de soi et le bonheur des autres. Car, dit-il, la vraie tragédie de la vie, c'est qu'on devient souvent vieux trop tôt et sage trop tard. Pourvu que cela ne nous arrive point. À très bientôt pour notre numéro de 100% Bénin. Au revoir.